26 ans déjà que mon nom Ademi Kledje que voici travaille sous l'onction de ces nombreux vaudous dont le vaudou Kennessy. L'année écoulée encore, plusieurs prodiges ont été réalisés. Des maladies ont été guéries, des promotions et bien d'autres faveurs ont été reçues de la part de ces vaudous. Et c'est ici l'heure de la reconnaissance et de remerciements à leur endroit. Je veux d'enfants. Je suis en train de faire du commerce, ça n'évolue pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis à un service donné et j'ai tel grade, mais on ne m'a pas donné le poste qu'il faut occuper. Je viens, si je n'ai pas le diplôme, Kennessy en question ne joue pas le rôle. Il ne prend pas peut-être un cultivateur pour dire qu'il doit être ministre. Il faut être d'abord capable de ce que tu fais. Et quand on dit tout ça là, au cours de l'année, et l'année finie, on voit que ce que j'ai demandé, ça a été réalisé, c'est fait. Alors si c'est fait, lors de demande, on a dit à notre fétiche, si tu me fais ça, tu me fais ceci, je dois te donner peut-être des poulets, du mouton, des bœufs. Nos fétiches qui sont là ne prennent pas du sang humain. C'est des fétiches qui font du bien, il n'y a pas du sang humain. Maintenant, comme c'est réalisé, ils viennent maintenant donner, faire des offrandes maintenant à nos divinités. Et dans ce sens maintenant, quand on donne, nos divinités, ils sortent, ils dansent sur leurs femmes et on voit, c'est une manifestation. Et ça prouve aussi qu'on fait la prière pour la population en général, pour le chef de l'État, pour qu'il y ait la paix dans le pays. Pour ce faire, c'est une cérémonie d'immolation à l'endroit de ces vaudous, une cérémonie dite Huétanou. Et c'est en compagnie des nombreux invités, amis et autres curieux venus de partout comme ici, les membres de l'association Les Buffles de Cotonou, que Rounon Ademi Kledje se retrouve en ces pareilles journées. La devanture du domicile du grand prêtre vaudou est devenue pour la circonstance la place publique. Les adeptes Gambada et Kokou paradent. On peut y voir l'entrée en transe des adeptes, danse endiablée et des démonstrations fortes qui ont été servies à la foule qui a fait le déplacement. Les nombreuses mauvaises rumeurs répandues autour du vaudou Kennessy ne sont que diffamation. Oui, vaudou Kennessy. Mes principaux vaudous sont Kennessy, Gambada, Kpakpaki et Asuka. Les vaudous, notamment Kennessy, donnent la guérison, la promotion méritée surtout. Si tu mérites une place et tu confies ta destinée au vaudou Kennessy, il te donne l'exaucement. C'est un vaudou qui fait du bien. Daroudji Denisou, chef de culte Gou, venu depuis Abomé pour les cérémonies, apprécie. Partout, les gens sont venus si nombreux de toute l'étendue du territoire pour donner leur offrande. Donc pour ça, ils sont venus pour le remercier. Donc, cette année, on dit que bon, chaque année, ça vient de peu au grand. Et cette année, c'est si grandiose. La fête a été belle, très belle, riche en couleurs et les témoignages en bien des uns et des autres semblent bien motiver l'admiration d'autres personnes qui certainement comptent être au rang des bénéficiaires des grâces des vaudous de Rounon Ademi Kledje pour la nouvelle année.